Madame, monsieur, bonjour, bon vendredi, sous la pluie, c'est juste en ce qui concerne la ville d'Abidjan, le temps est morose, les nuages sont bas, énormément de prudence recommandée sur les routes, bien évidemment, par rapport à l'état donc, des routes, l'état des routes dû donc, à cette pluie qui s'abat sur Abidjan. Alors, cela dit, cela bouleverse. En tant que tel, le contenu de notre magazine de ce matin, beaucoup de personnes, dans le cadre de nos invités, des personnes que l'on reçoit, n'ont plus encore effectué le déplacement. En tout cas, nous leur recommandons beaucoup de prudence sur les routes. Notre magazine, Monsieur Achille Oumont, ne sera pas avec nous aujourd'hui. Il s'en excuse. Nous aurons par contre notre rubrique Diamanan. Nous l'aurons pour tout à l'heure. Nos invités arrivent au fur et à mesure que la pluie le leur permet. Nous allons patienter avec plaisir. Cela dit, nous avons toujours de la transition musicale. L'équipe de production est bien en place. Monsieur Nguesson Tano, toujours à la tête de la réalisation. Toute cette équipe se joint à moi pour vous remercier d'être devant votre poste de télévision. Et c'est Nestor David qui est notre premier choix. Je
à la gloire de l'Éternel. Colonel Yao Michel, le révérend Camara est notre invité dans le cadre de la rubrique Djamana. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça faisait pas mal de temps. Tout à fait, c'est vrai. Qu'on vous voyait très peu, sinon presque plus. C'est vrai. Bonjour, très chers téléspectateurs. En réalité, j'étais en studio. Voilà. Donc, j'étais en train de préparer quelque chose. Donc, je viens de mettre au monde un nouveau bébé. Voilà. D'accord. Alors, révérend Camara, d'abord, quand on entend votre nom, la spécificité, c'est que vous assemblez plusieurs... on a l'impression que c'est un mélange de culture. C'est cela. La Côte d'Ivoire regorge beaucoup de cultures. Et chez nous, particulièrement à Bouna, il y a des lobbies, il y a des diabaratés, il y a des camaras. Donc, c'était un brassage culturel. Donc, moi, j'ai dit, pourquoi pas utiliser ma culture pour annoncer l'Évangile. Donc voici comment j'ai été inspiré à travailler. Voilà. Et ça, c'était en quelle année? En 2007. J'étais en train de prêcher, c'était pendant une prédication. Donc vous êtes né musulman, vous êtes converti? Oui, j'étais musulman. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur. Et c'est pendant une prédication que j'ai eu l'inspiration. Mon papa même était musicien. Voilà. Il était chanteur, comme on le dit, de l'autre côté. Il était saxophoniste. Donc, moi, je n'avais pas choisi cette voie. Mais c'est pendant mes prêches que j'ai eu l'inspiration de chanter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. J'ai entendu Tangbabore. La voix est venue Tangbabore. Et puis, j'ai commencé à chanter Tangbabore, Tangbabore. Et puis, j'ai commencé à esquisser les pas. Voilà comment c'est venu. Alors, une autre particularité, c'est le folklore. Oui. La danse. La danse lobby. Également, la danse lobby que vous mettez en valeur. En valeur. Dans ce que vous faites. Voilà. Il faut dire que le peuple lobby était un peuple très effacé. Et cette danse-là n'était pas connue de tous. Et moi, quand j'ai vu que. Quand Dieu m'a inspiré à danser cette danse, il faut dire que c'était difficile parce que je suis camara, les camarades ne dansent pas cette danse. Alors Dieu voulait que je le fasse. Et quand j'ai commencé à danser, ça a commencé à plaire. C'est vrai qu'au départ, dans le milieu chrétien, dans le milieu des pasteurs, c'était pas une danse qui était la bienvenue. Mais avec le temps, ils ont commencé à comprendre qu'en réalité, quand on accepte Jésus, on ne rejette pas sa culture. On prend sa culture au contraire pour annoncer l'Évangile. Et donc vous avez dû batailler, les convaincre. C'est ça. C'est bien, ça. C'est votre célébrité qui les a convaincus. J'ai peut-être la persévérance. La persévérance. Voilà, la persévérance. J'ai persévéré. D'accord. Parce que souvent, je n'étais pas bien reçu dans d'autres paroisses, dans d'autres églises. Mais à force de persévérer, ils ont fini par m'accepter. D'accord. Très bien. Alors, nous allons bien sûr poursuivre, mais nous allons proposer au public de vos créations, de vos créations les plus récentes. C'est ça. Donc, et c'est Jésus, la solution. La solution. À tout de suite. Merci. La solution de ce monde, il est le roi des rois. Mon Dieu, la solution de ce monde, Jésus est mon roi. Jésus, la solution de ce monde, il est le roi des rois. Mon Dieu, la solution de ce monde, Jésus est mon roi. Jésus, la solution, solution.
solution pour mon travail. Jésus est mon roi. Jésus la solution pour ma santé. Il est le roi des rois. Jésus la solution, 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 solution. Jésus la solution, 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 solution. Place ta confiance à l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Apprends ma solution. Il y a beaucoup de chorégraphie, oui, oui. C'est difficile à mettre en place tout ça. Oui, vraiment, c'est pas facile. Mais comme je veux faire quelque chose de bon pour mon Seigneur, la Bible dit que je ne donne rien à l'Éternel qui ne m'ait coûté cher. Donc tout ce que je veux faire de mon mieux. Voilà, je vais me donner moi-même à fond. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette chorégraphie avec... des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, tout est mélange. Voilà, des jeunes pour afin de d'atteindre un objectif. Alors, voilà. Faut dire cette danse s'appelle Dakuleda. C'est en Kamara. C'est dans ma langue, c'est dans mon patois. Ouais, notre particularité à Bouna, nous sommes des Kamaras, mais nous avons une langue qu'on appelle Kamara. Okay. Dakuleda, ça veut dire achète et puis tu n'achèteras plus rien. Si tu achètes Jésus, tu vas plus acheter quelque chose tout. C'est clair, c'est clair. Voilà. Parce que c'est gratuitement. C'est gratuit. Voilà. D'accord. Comme on le dit. D'accord. Alors, dans le milieu chrétien, on va dire dans le milieu de la musique chrétienne, généralement, nous, on a affaire aux chantres. Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas dans la catégorie des chantres. Merci. Et quand on reçoit un révérend, ou un pasteur, c'est pour venir annoncer la parole et puis annoncer des séances de prière. Donc vous, vous mélangez un peu le côté musique et puis la prêche. C'est ça, c'est tout à fait. Également. C'est une grâce pour moi. C'est une grâce. Mais est-ce que ce mélange vous a apporté plus de fidèles qui ont été attirés par votre musique et qui finalement, vous avez pu finalement ramener le Seigneur? C'est ça. Il faut dire que je suis président d'église, ça veut dire de mission. Mais en plus de cela, je suis chantre. C'est-à-dire que j'ai mon ministère, c'est-à-dire que j'ai un ministère prophétique. Et quand Dieu me fait la grâce de rentrer partout, annoncer l'évangile. Donc, de par mon ministère, il y a des âmes qui ont gagné. De par mon ministère aussi, ça apporte aussi beaucoup à l'église, couronne de vie. Voilà, ça permet à l'église de s'étendre un peu partout. De s'étendre. Voilà. Et vous êtes né musulman. Et comment la communauté musulmane perçoit ce changement? Parce que le révérend Kamara, on réalise bien qu'il est né Kamara et qu'il est révérend aujourd'hui. C'est ça. Comment vous êtes perçu?
faut dire que ça n'a pas été facile. Voilà. Et moi-même, quand j'étais musulman, quand je voyais quelqu'un, je ne supportais pas les chrétiens. La vérité, je ne les supportais pas à cause du bruit, tout ça. Et puis, donc, et puis Dieu me prend et j'ai fait le même bruit que je ne supportais pas. Voilà. Ça, c'est une leçon. Hein? Voilà. Donc, mes parents n'ont vraiment pas accepté. Au départ, j'ai été régné, mais maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et puis, il faut dire que beaucoup aujourd'hui, par mon ministère, beaucoup de musulmans se donnent au Seigneur. Voilà, j'ai mon ministère et puis il y a l'église. Mon ministère que j'exerce à côté, mais de par ce ministère, beaucoup de musulmans se sont donnés au Christ. Voilà, beaucoup, beaucoup. D'accord. Je ne peux même pas les compter. D'accord. Voilà. Mais moi, ce qui me gêne un peu, parce que l'objectif n'est pas non plus que tous les musulmans deviennent chrétiens. Mon objectif, c'est ça. C'est pas ça. C'est ça. Ah, oui. Vous ne voulez pas que les musulmans restent musulmans, les chrétiens restent chrétiens et qu'ils vivent en harmonie? Vous voulez l'imitation? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ seul. Donc, mon objectif, c'est que tout le monde, tous parviennent au salut, c'est-à-dire qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous arborez la tenue typique du musulman si vous parlez de manière spécifique de Jésus? Je suis malinqué. Voilà. Donc, c'est notre tenue. Ce n'est pas la tenue d'un musulman ou d'un catholique ou d'un féticheur. C'est ma culture. Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'on s'habille. D'accord. Voilà. Très bien. Je referme la parenthèse. Merci. Alors, pendant cette absence du monde des médias, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait beaucoup de scènes aussi à l'international. Vous avez tourné un peu? Oui, oui, j'ai tourné. Et puis, Dieu m'a permis aussi d'établir, d'installer beaucoup d'églises. Il faut dire que j'ai beaucoup travaillé pour l'église. Voilà, pour installer, parce qu'il y a des pasteurs qui sont avec moi, que j'ai formés et j'ai consacrés. Il fallait maintenant ouvrir des champs d'émission. C'est ce que j'ai fait. Et très bientôt, il y a un autre pasteur qui va en France pour le champ de mission de Paris. Très bien. Donc, union de prière, c'est la variété suivante que l'on propose, donc, du pasteur Camara. I'm not afraid to die.
Alors, pasteur Camara, oui. Quels seraient vos propos à l'encontre de votre public? Comme le clip vient de le dire, il faut que nous soyons unis pour bâtir notre nation, la Côte d'Ivoire, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et si on se met ensemble, si on se pardonne, parce que le pardon est réciproque, si nous nous pardonnons, je crois que Dieu peut faire de grandes choses. Dieu m'a fait la grâce de sortir hors de la Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire est un beau pays. Mon pays est meilleur. Et donc c'est le fait d'être sorti qui a fait que vous avez apprécié davantage la richesse qu'on a. La richesse qu'on a. Vraiment, franchement dit. Quand j'étais en Israël, j'ai dit que si je venais, j'étais fait ambassadeur. J'étais couronné, comme on l'a dit, j'ai été décoré comme ambassadeur pour la paix, de la paix en Israël. J'ai dit que si je rentrais, j'allais faire un titre spécialement pour la paix, pour mon pays. Implorer la grâce de Dieu pour que les fils et filles de ce pays puissent se mettre ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire. Voilà. Et si je vais dire quelque chose à mon public, c'est que mon nouvel album est sorti. C'est un album de 14 titres. Le titre de l'album, c'est Jésus fera encore. Et il faut l'acheter et je crois que ça va faire beaucoup de bien. Voilà. D'accord. Dernière question. Souvent, votre public est un barrage de langues. Aussi, ils ne comprennent pas forcément le patois. C'est ça. Il faut dire je chante en Djula, je chante en Koulango, je chante en Bété, je chante en Lobi, je chante en Bété, je chante en Gouro. plusieurs langues, quoi. Voilà. Comme dans mon église, il y a plusieurs ethnies. Donc, quand je compose mes chants, je les appelle et puis on m'explique. Voilà. Et puis, j'essaie de chanter. Donc, tout le monde peut se retrouver dans l'album du révérend Camara. Ouais, le Tangwabore, c'est pas Camara, mais c'est aimé, c'est apprécié. Voilà. D'accord. Yabongo, est-ce que vous connaissez? Yabongo? Non, non. Non? Ah oui, oui, je le connais très bien. Et vous, Yabongo, bonjour. Ah, bonjour. Révérend Camara, vous connaissez? Oui, j'écoute ses chansons. C'est mon frère. J'écoute beaucoup les chansons du monsieur parce qu'il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. D'accord. Et nous aussi, on adore beaucoup Dieu. Ok. Voilà. Vous, votre style musical, c'est le... Du Zouglou. Du Zouglou. Voilà. D'accord. Et parlez-nous de vous. Ben, je suis Biali Franck Michael à l'état civil. Yabongo Lova, mon nom d'artiste. Je suis entré dans la musique déjà tout petit parce que mon père et ma mère sont tous deux des artistes chanteurs. Donc, j'ai commencé véritablement en l'an 2002. En l'an 2002, à l'avènement du mouvement Coupé-Décalé. C'est ainsi que je me suis inspiré de cette musique pour préparer mon album qui est sorti en 2010. Fin 2010, et puis grâce à Dieu, aujourd'hui, petit à petit, les choses se font bien. On dit merci à Dieu. Très bien. D'accord. Alors, pour mieux situer le public, nous avons un extrait d'un de ces clips. Zapateo, give you. Zapateo. I am a god, this animal.
Ça va ressembler. Voyez, voir c'est mal à voir. Ils m'ont tourné le dos tout cela. Parce que tout est gâté chez moi. Ils m'ont tourné le dos tout cela. Parce que tout est gâté. Alors, Yabongo, ouais. Vous avez déjà pensé à des featuring? Oui, j'en ai fait plusieurs dans le début de ma carrière. J'ai chanté avec Gadoku la star, j'ai chanté avec Bokassa Premier. J'ai fait des chansons pour certaines personnes, ça c'était au début. Mm-hmm. Mais j'étais en train de préparer mon album, j'ai apporté mon soutien aux artistes coupés décalés. Mmh. J'ai plus d'amis dans le coupé décalé, mais je voulais vraiment sortir du lot en sortant cet album de 10 titres que j'ai baptisé Lumière. Et grâce à Dieu, la lumière est en train d'éclairer. Dieu merci. Alors, le style musical du pasteur Camara, vous connaissiez? Ouais. Ce style musical mélangé de danse, lobby et ouais, tout. Ouais. Parce qu'on réalise que quand vous faites des featuring, c'est souvent, quand vous êtes coupé décalé, c'est Zouglou. Zouglou coupé décalé, mais aller un peu plus loin avec ce genre de rentrer dans la tradition comme ça. Ouais, ça fera vraiment plaisir de partager une chanson avec le pasteur. Mm-hmm. La grâce de Dieu sera encore sur nous. C'est moi, j'aime beaucoup le Zouglou. Ouais, uh-huh. Donc t'as vu, lui aussi, il adore beaucoup le Zouglou. Oui. Donc ça veut dire qu'on sait jamais, on peut faire une chanson. Le pasteur Camara featuring Yabongo. Oui. On sait jamais. C'est ça. D'accord. Très bien. Alors, quels sont vos projets pour les temps à venir? Ben là, nous sommes en plein dans la promotion de cet album-là. Et puis, très très bientôt, on compte organiser le concert de Yabongo Lova. Mm-hmm. Puisqu'on en a fait plusieurs concerts dans des endroits, on aimerait voir véritablement combien de personnes qui soutiennent l'artiste. On aimerait les réunir dans un endroit pour célébrer le Zouglou. Donc là, nous sommes en train de préparer ça, mon staff et moi, et petit à petit, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, jusqu'en 2015, je dirais, on va préparer la sortie d'un prochain album pour confirmer l'artiste, pour confirmer le talent que nous avons, et puis tout doucement, nous ferons. D'accord, mais pourquoi est-ce que les albums seraient si rapprochés? Généralement, on laisse un peu de temps avant le suivant. Oui, je disais tout à l'heure que cet album est sorti en 2010. Mm-hmm. Tu vois, donc depuis 2010 jusqu'à 2014, je pense que c'est maintenant que les choses commencent à bouger. Donc pour le prochain album, ça ne sortira pas tout d'un coup un album complet, mais mm-hmm. ça va sortir un single, ensuite un autre, mm-hmm. et puis maintenant sortir l'album véritablement. D'accord. Voilà. Très bien. Donc avant de conclure, on va demander au pasteur ses derniers propos au révérend Camara. Mm-hmm. Je veux dire merci à la RTI, merci à Mariam Touré,
Et merci à l'église Couronne de Vie, c'est-à-dire que mon église, et merci à mon épouse. Ça fait 22 ans que nous sommes maintenant ensemble. Et je pense que si je suis là, c'est grâce à elle, c'est grâce aussi à son soutien. Et je demande à mon public de continuer de prier pour moi, de me soutenir. Et je suis revenu, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et vous, Yabongo, quel est votre mot de fin? Moi, je dirais plutôt merci à la RTI qui me donne l'occasion d'être sur ce plateau pour parler de mon album. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et puis merci à Dieu Tout-Puissant qui, grâce à lui, nous faisons un bon nombre de chemins petit à petit. Et puis merci à ma maman qui me fait confiance. Merci aussi à Mariam pour tout ce que vous faites. Merci bien. Très bien, donc nous allons accompagner nos invités avec un autre de vos clips, Yabongo Lova, tout en vous remerciant tous les deux d'être venus sur notre plateau. Notre premier invité est le prophète Kasso. Bonjour prophète. Bonjour. Vous êtes maréchal de la brigade anti-sorcier. Oui, si, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Mm-hmm. Nous avons mis une brigade en place qui lutte contre la sorcellerie parce que la sorcellerie est le méfait de l'Afrique. Mm-hmm. Et là où il y a la présence de la sorcellerie, la pauvreté se vit. Mm-hmm. Les Occidentaux ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Ça a commencé du 15e, 17e siècle, mm-hmm. Appelé la chasse aux sorcières. Mm-hmm. Ils sont rentrés dans le 18e siècle. Appelé le siècle de la révolution industrielle. Mmh. Voilà, donc le siècle des lumières de la révolution industrielle. Pour nous, l'Afrique est le berceau de l'humanité et malheureusement, notre cher continent est en retard. Et c'est ça, les méfaits de la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, la vie de cette personne est caractérisée par le retard,
Pour nous, il faudrait que l'Afrique immerge, il faut que l'Afrique entre dans son plan de prospérité. Et donc pour nous, pour aider le continent africain en tant que chrétien, nous avons mis une brigade en place qui lutte contre les criminels, parce que c'est des criminels. Ils font des génocides, parce que moi j'ai eu des aveux d'une sorcière qui a tué 1732 personnes. Mmh. Et nous sommes à cette date plus de 4132 sorciers délivrés depuis 2006. Nous délivrons les sorciers. Pour nous, l'homme a droit à la vie. Donc il faut lutter contre ceux qui détruisent la vie des personnes. De toute façon, il y a des crimes physiques, il y a aussi des crimes spirituels. Il y a des gens qui détruisent des personnes. Moi, j'étais une ex-victime qui a été délivrée par Jésus-Christ. Donc, pour moi, l'homme a droit à la vie. Toutes les organisations en place au monde ici, ils sont en train de lutter pour le droit de l'homme. Et donc, l'homme a droit à la vie. Il y a des personnes qu'on appelle des sorciers. Et un sorcier dans une famille était danger. Parce que l'esprit qui l'anime, c'est un esprit malin qui détruit et qui anéantit. Donc, comme vous dites que vous êtes à 4000 et quelques... Nous sommes à 4000 sorciers qui nous avons délivrés. Nous ne les tuons pas. Dans d'autres régions, on les tue. Attendez, je peux vous poser d'accord, la question. D'accord, vas-y, allez-y. Okay. Vous êtes à 4000 et quelques sorciers délivrés. Tout à fait. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes que vous libérez d'un esprit. Mais si, si. Et puis, attendez, et puis qui peuvent, du jour au lendemain, être avoir utile. Une vie normale. Merci, si, si. Okay. Ils sont possédés, contrôlés. Vous allez même demander à un sorcier, pourquoi tu as tué telle personne? Il dit, c'est pas moi. Parce que c'est possession, dans le sens où un esprit l'anime, mm-hmm. et la personne compte son grippe livrer son enfant qu'il a construit une maison. Mm-hmm. Donc, c'est les possédés. En tant que chrétien, la Bible dit, en Jésus dit, en mon nom, vous